Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Que devient Sylvain Ndiaye? Donc Sylvain Ndiaye, nous prenons encore, c'est un ancien international sénégalais, donc de la génération 2002, jour où il a eu football, mais il a eu quelques blessures, lolo ko xaw yaxal sur sa carrière en équipe nationale du Sénégal, mais football l'on def. Mom mi won ci cellule de recrutement Paris Saint-Germain, de ko quitter en 2018, dem cellule de recrutement Liverpool. Donc Sylvain Ndiaye moi gère le recrutement de Liverpool en Espagne. Donc l'ancien Marseillais, donc Sylvain Ndiaye rejoint les rangs de Liverpool en tant que scout afin de référer les talents en Liga. Donc, quel que soit le talent fait de Liga, Sylvain Ndiaye Molay, donc recruté, nous on recruteur Paris Saint-Germain depuis 2015. Après, il a quitté le Paris Saint-Germain pour Liverpool. Donc, Sylvain Ndiaye est un recruteur pour le club de Sadio Mané en Espagne. Donc, Real Madrid a rêvé le trio Mbappé, Hazard, Haaland. Donc, MHH. Donc, Mbappé, Hazard, Haaland. Donc, le Real divisé en 2021 selon le journal. As, donc montre actuellement donc la piste Sadio Mané commence à se refroidir, donc Newcastle aussi ñuy xalat jënd Edinson Cavani pour donc donner de l'expérience à l'attaque de Newcastle saoudien, parce saoudien ñom and bété Moustapha Diouf ñoko bëgg jënd. Donc ici positif pour Manuel Neuer, donc il va prolonger son contrat jusqu'en 2025. Donc 2025 le bëgg def 3 ans, mais wa Bayern dañu bëgg def 2 ans, donc dopp ko 2023. Montre actuellement ils sont en pleine négociation, mais à coup sûr, il va prolonger parce que Neuer, c'est un monument du Bayern. Donc, pour attirer Grealish, donc Grealish, moi, le milieu de terrain, Jack Grealish de Aston Villa, selon Daily Mirror, qui veut nous avons à United, à City, en tout cas, que le club veut Grealish, il va dépenser 90 millions d'euros minimum. Donc, Liverpool, nous avons Nicolò Zaniolo, donc le jeune prodige de la Roma, qui aura bientôt 21 ans, donc gravement blessé au genou en janvier. Zaniolo fait partie des espoirs du football donc, italien. Il a été donc, vu comme un futur Francesco. Mais selon Corriere dello Sport, Liverpool mu ci ay donc dossier pour renforcer son secteur offensif. Donc Liverpool ñu duel ak Monaco pour Diego Llorente, donc le défenseur central espagnol de la Real Sociedad, parce que ñom aussi ñu jëm xol un défenseur à bas prix, ñu wax Koulibaly, mais en cas de départ donc de Dejan Lovren, Diego Llorente pourrait venir donc du côté de Liverpool. Donc Liverpool est en concurrence avec l'AS Monaco de Diao Baldé Keita.